C'est toi, le forgeron ? Je l'étais. Jusqu'à ce qu'un autre Mystios, machin porteur d'aigle, vienne m'aider. Un bon gars. J'ai entendu dire que machin porteur d'aigle avait créé des problèmes. Le pauvre a allumé ma forge, mais quelque chose a déclenché un incendie. Des flammes partout. Du coup, je ne vois presque plus rien. Et je peux à peine remuer les mains. Mais tu es le seul forgeron du village, et des pirates approchent. Il faut que tu fabriques des armes. Ne t'en fais pas. Le vieux Callipides est encore capable de forger quelques lames. Il me faut juste un lieu où travailler. Ces blocs de pierre feraient une bonne table. Tu peux les déplacer pour moi ? Ça m'a l'air facile. Si on ne fait pas attention, on risque d'écraser quelque chose avec ça. Avec un solide Mystios pour m'aider, nous aurons des armes avant la nuit. Excellent travail. Passons à la suite. Il me sera difficile de fabriquer des armes sans fer. Tu ne crois pas ? J'ai dû faire à ne plus savoir qu'en faire. Prends-en un peu. Ah, voilà qui est beaucoup mieux qu'avec l'autre Mystios. On va pouvoir faire. Il ne me manque plus que mes outils maintenant. J'ai récupéré tes outils. Ah, quelle aubaine. Tu peux être fier de toi. Tu as redonné une raison de vie. Callipides ! Callipides ? Ah, par les dieux. J'ai vu pas mal de choses dans ma vie, mais alors ça, ça me dépasse. Pauvre Callipides.